بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc vous avez quelqu'un qui est dans le domaine de la ruqya qui s'appelle Fawaz Al-Aswad. Alors je ne connais pas vraiment vraiment bien bien, mais de toute façon on va le découvrir ensemble avec le décryptage. Et s'il y a des choses de toute façon à dire, eh ben, je dirai mon opinion comme d'habitude. Donc ici, il s'agit donc d'un sorcier repenti qui reconnaît qu'une sourate est efficace, non pas uniquement pour se protéger, d'accord, non pas uniquement pour détruire des sihrs, mais pour aussi tuer tous les djinns, d'accord, les démons qui vous attaquent et qui vous embêtent injustement, d'accord, et par orgueil. Donc on va décrypter cette vidéo comme d'habitude. والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني أخواتي الأكارم وحلقة جديدة في قناتكم قناة مصابيح، معكم المعالج والراقي فواز الأسود. اليوم إن شاء الله تعالى أقدم لكم السورة التي تقتل كثيرا من الجن والشياطين بإذن الله تعالى. وحقيقة هذه السورة قد أعطيناها أكثر من مرة لكثير من الإخوة والأخوات وانتفعوا منها بفضل الله سبحانه وتعالى ورأوا تلك الشياطين وتلك الخدام وتلك الحراس تقتل أمام أعينهم بإذن الله تعالى منهم مرة. Donc il dit que après une introduction, il dit donc il va nous montrer donc la sourate qui par la permission d'Allah Azza wa Jal permettra de tuer tous ceux qui participent donc au sihr, que ce soit celui qui surveille le sihr qu'on appelle al-haris. Aux khuddam, ceux qui sont au service, qui travaillent, parce que le sihr c'est toute une grande logistique, il y a ceux qui le surveillent, il y a ceux qui travaillent, qui sont envoyés pour effectuer la fonction pour laquelle le sihr a été fait, et tout cela, donc vous pouvez les tuer avec cette sourate-là. Et il a dit qu'il a déjà conseillé cette sourate à beaucoup de personnes atteintes, et ils ont vu, par la permission d'Allah Azza wa Jal, la puissance d'Allah Azza wa Jal, que des djinns étaient tués devant leurs yeux, soit par rêve, ou soit certains, même en éveil. رآها يقظة وهو يقرأ ومنهم من رآها مناما بفضل الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أنا سألت ذلك الساحر التائب عن هذه السورة واعترف أنها تقتل كثيرا من الشياطين وقال أنه كنا نفر من قارئها أي السحرة بل وحتى الشياطين تفر ممن يقرأ هذه السورة بإذن الله تعالى لأن فيها. Donc il dit que il a posé la question donc au sorcier repenti, à savoir est-ce que cette sourate elle est efficace, et il a reconnu, il a dit oui. On sauvait donc nous et les shayatines de cette sourate là tellement qu'elle dégageait l'énergie et qu'elle était puissante et efficace contre nous. Donc ça c'est avec le on l'a vu dans la vidéo précédente de Fawaz al-Aswad qui connaît un sorcier qui s'est repenti, qui lui donne donc des informations. هذه الطاقة حقيقة اعترف بأنها طاقة تقتل لا تبعد فقط أو تحصن، لا هذه الطاقة تقتل بإذن الله تعالى وهي ليست للدفاع وإنما للهجوم فمن أراد الهجوم Donc il dit c'est pas uniquement elle protège comme j'ai dit au début, mais aussi elle tue. Et il dit cette sourate, on ne la récite pas uniquement dans le but de se protéger. C'est pas qu'une sourate protectrice, c'est une sourate aussi offensive, d'accord. C'est pour attaquer le monde djinnique, le monde démoniaque plutôt. Quand il s'attaque à vous injustement, donc vous êtes en réalité dans la défense, mais des fois dans la stratégie, il faut parfois attaquer pour se défendre. بإذن الله تعالى على تلك الشياطين والقضاء عليها فعليه قراءة هذه السورة المباركة ألا وهي سورة عبسة. هذه السورة العظيمة المباركة القوية جدا بإذن الله تعالى فيها طاقة قوية وعالية جدا تقتل الجن والشياطين ممن هم في الجسد أو ممن هم يحيطون في الجسد أو ممن هم يتسلطون عليك ويريدون أذيتك أو أذية بيتك أو أهل بيتك. Donc il dit, c'est cette sourate qui te permet, Inch'Allah, de tuer les démons qui sont dans ton corps ou autour ou même dans ta maison et qui œuvrent pour, en faveur de cette sorcellerie. D'accord? Cette sourate qui contient donc une énergie puissante, c'est la sourate Abasa. حقيقة أكبر عدد لهذه السورة المباركة تقرأه لمدة ثلاثة أيام متتالية أو خمسة أيام متتالية يقضي على تلك الشياطين مهما كان عددها بإذن الله تعالى وترى ذلك مناما ويقظة بإذن الله وهو عدد 41 مرة في الثلث الأخير من الليل أو بعد. Donc il dit tu lis cette sourate pendant 3
à 5 jours au dernier tiers de la nuit, d'accord, 41 fois, d'accord. Alors sur ce chiffre 41, je sais pas d'où c'est tiré. Je suis pas, on va dire, je suis légèrement suspicieux concernant ce chiffre. Bon, en fait, on est dans l'ordre de l'ijtihad, on est donc en fait, c'est selon l'expérience, ainsi de suite. Mais personnellement, je vous conseille de ne pas vous restreindre à ce chiffre-là, 41. Récitez sur la Ta'abbasa tant que vous pouvez. Voilà. Soyez à l'aise et récitez sur la Ta'abbasa tant que vous pouvez, sans vous restreindre à un chiffre particulier, 41 ou 40 ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, c'est sûr qu'il y a des arguments pour dire que sur la Ta'abbasa, que le Coran est efficace contre les sihrs. Ça, c'est, il n'y a personne qui peut remettre en doute. Concernant le chiffre 41, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je suis dubitatif concernant ce chiffre-là. بعد الساعة الثانية عشر ليلا إذا قرأتها 41 مرة متتالية تقرأها لمدة 3 أيام متتالية أو 5 أيام متتالية طبعا تكون الأفضل قبلها صلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى والنية بقراءة تلك السورة لقتل تلك الشياطين المعتدين وبعدها إن شاء الله تعالى تقرأ هذه السورة المباركة 41 مرة وبعدها تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة لمدة 3 أيام كما ذكرنا أو 5 أيام متتالية قد Donc il dit tu fais rak'atin, d'accord, avec la niya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te permet de tuer ces démons et ensuite tu récites la sourate Al-Abasa 41e fois. Non seulement c'est beaucoup, mais comme je dis, il n'y a pas d'argument en faveur. Donc récitez sourate Al-Abasa tant que vous pouvez, ça dépend de la capacité de chacun. 3 fois, 7 fois, voilà, c'est bien les chiffres impairs. 11 fois, et je pense que c'est suffisant. Bi-idhnillah, et faites-le de manière répétitive, ce sera suffisant. سيكون هناك البعض حقيقة يرى أن العدد كبير ويريد أن يقرأ بعدد أقل نقول له أن أقلها بإذن الله تعالى وهو أيضا مجرب تقرأها 11 مرة لمدة 21 يوما متتاليا بإذن الله Voilà, donc lui il dit, voilà, il y a des gens, ils disent que c'est beaucoup. Donc lui il dit, pour que ça soit efficace, au minimum, minimum, récitez-la 11 fois. Donc voilà, donc là, à la rigueur, 11, ça passe. ممكن أنه تقضي على تلك العوارض والشياطين بإذن الله تعالى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث كله بيد الله سبحانه وتعالى أنت تقرأ بيقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى Donc il dit fais confiance à Allah Azza wa Jalla, c'est possible que tu arrives à tuer ces démons-là le premier jour, ou le deuxième ou le troisième. هذه النية وتتوكل على الله وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وتدعو الله وبعدها تتوكل على الله وتقرأ 11 مرة تلك السورة المباركة وبعدها تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة أيضا كما ذكرنا الأفضل Et ensuite tu pries sur le prophète 100 fois. Donc sur ça, il y a des hadiths sur le fait de prier sur le prophète sallam à plusieurs reprises, 10 fois par exemple, comme c'est cité dans des hadiths du prophète, lui dit 100 fois. Pour le faire 10 fois, c'est suffisant. أفضل في الثلث الأخير من الليل أفضل توقيت بإذن الله تعالى فتكون النية بإبطال الأسحار والعين والحسد والمس والطاقة السلبية وكذلك تكون النية بإذن الله تعالى بمحاربة تلك الشياطين المعتدية والسحرة المعتدين بإذن الله تعالى Donc l'objectif c'est de combattre tous ces démons qui sont injustes et qui sont là pour faire du mal, d'accord, mais aussi dans la niya d'annuler tous les aïn, ainsi de suite. هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والسلام عليكم ورحمة الله Donc la vidéo elle est finie. Hein. Donc il dit si j'ai raison, ça provient d'Allah. Si j'ai tort, ça provient de Shaitan. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de la lire au minimum 11 fois. D'accord. Et puis ou par chiffre impair, hein, chaque fois, tant que vous pouvez. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le chiffre 11, il revient. Hein, il revient avec Qiyam al-Lil, par exemple, la prière de nuit. Et puis réciter, prier sur le professeur Sallam 10 fois par 10, parce que c'est ce qui est cité dans un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Et voilà, mettre toujours la niya, c'est important, la niya. De justement brûler ces démons qui sont injustes. Donc vous récitez cette sourate sur vous, vous soufflez, on va dire, sous votre t-shirt, d'accord, de façon à ce que votre souffle atteigne votre poitrine. C'est comme ça que le prophète se faisait ruqya, ou sur les mains, et en vous passant, en soufflant sur les mains, en vous passant les mains sur le corps, ou tout simplement vous récitez. On va dire, vous récitez, ben, tout simplement dans un verre d'eau, vous mettez il y a de l'eau. Vous récitez, par exemple, Abbas wa tawalla, anja, ou l'a'ma, ou man yudrik, la'allahu yazzaka, ou yadzakaru, fatanfa'u dhikra, amma man istaghna, fa anta lahu tasadda, wa ma'alayka, alla yazzaka, wa amma man ja'aka yas'afa, wa huwa yakhsha, fa anta anhu talaha, par exemple, bismillah. Donc vous allez réciter la sourate Abbas entièrement, et vous allez souffler dans, ici, dans, comment dire, dans le, dans,
dans votre verre. Bon, ici, c'est un verre Anouh, Anhas, c'est le cuivre, c'est le top. Et Bismillah, vous pouvez. Voilà, vous faites ça souvent, d'accord, de manière répétitive. Inch'Allah ta'ala, si il y a des démons qui sont dans votre corps ou qui vous sont liés à des sihr, Inch'Allah ta'ala, ça agira de façon, comme il le dit, par expérience, parce que faut bien comprendre que la ruqya, certains peuvent se poser la question de savoir, mais pourquoi il y en a, ils disent faut réciter telle sourate tant de fois, faire telle chose, alors qu'il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam clair dessus. Faut bien comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne des mafatih, des clés. D'accord, le prophète ne peut pas te citer. Le prophète, sa mission, ce n'est pas d'être dans la ruqya, c'est de donner des clés dans différents domaines. Le prophète s'est exprimé dans différents sujets, pas uniquement que la ruqya. D'accord, même dans la médecine, la phytothérapie, vous l'avez bien vu, avec la telbina par exemple. Donc le prophète te donne des clés, t'explique les limites, pas de shirk par exemple. Les ulama ont mis des conditions, il ne faut pas réciter des choses que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas que ce soit avec une autre langue que la langue arabe. Il y a des conditions, d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de noms ambigus, bizarres, qui pourraient être des noms de démons, par exemple, comme certains disent. Donc, de toute façon, on invoque qu'Allah Azzawajal nous éclaire. On n'a pas besoin d'invoquer tel ou tel shirk comme certains le font. On n'a pas besoin de faire du tawassul non plus, de se servir de noms de shirk ou de saints ou qui que vous voulez. On invoque Dieu ou Ar-Rahman. Et c'est pareil, d'accord. Et c'est largement suffisant. Donc on invoque Allah Azza wa Jal. Et ensuite, c'est de l'ordre de l'ijtihad, donc de l'expérimentation. D'accord. C'est comme la médecine, ainsi de suite. Parce que le prophète a laissé la chose ouverte, ce qu'on appelle al-Nushra. Ça se faisait avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les compagnons rapportaient au prophète les Nushra qu'il faisait, donc les manières de se soigner qui dataient de la période anté-islamique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait « A'ridu alayya ruqakum alam takun fi shirk » ou « malam takun shirkan » Donc exposez-moi tous vos Nushra, vos exorcismes, à l'exception de ce qui contient donc du shirk, d'accord. Donc ils exposaient, le prophète disait, s'il n'y a pas de shirk, c'est accepté, c'est bon, ainsi de suite, d'accord. Donc on se rend compte, il y a des gens qui expérimentent, qui te disent, voilà, ça on l'a expérimenté, c'est efficace, ainsi de suite, et en plus, il faut que la chose, elle a un asl, elle a une origine dans le Coran et la sunna. Surat Abasa provient du Coran, et le fait de réciter le Coran dans la ruqya, quel que soit le verset, ceci est mashrou', ceci est réglementé et accepté, d'accord, dans le domaine de la ruqya, d'accord. Donc il y a des limites à pas dépasser, pas faire n'importe quoi, pas écouter n'importe qui, d'accord. Il y a des savants qui ont exprimé certaines choses, comme par exemple Ibn Baz, qui a permis d'utiliser les feuilles de jujubier, alors que c'est qu'une parole d'un salaf qui s'appelle Wahb. Et ce n'est pas basé sur un hadith ou quoi que ce soit, mais c'est basé sur l'expérimentation, parce qu'ils se sont rendus compte que les feuilles de jujubier étaient efficaces dans ce domaine-là. Donc beaucoup de choses ont été enseignées uniquement par expérimentation. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, bah, comme d'habitude, un j'aime, un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonner, des vidéos qui arrivent. Inch'Allah ta'ala, je vous remercie pour votre écoute. Allah.